une réunion pour recadrer les vies. Aujourd'hui, vous savez que les seuls élus, réellement élus, de la province de Katanga, des duos Katanga, ce sont les députés d'ensemble. Oui. Ces gens-là, c'est le sel du Katanga, c'est le sel de la terre. Je leur dirais même, Mathieu, vous êtes le seul le sel de la terre. Donc aujourd'hui, pour nous, un, lutter contre la corruption. Aujourd'hui, c'est le mot d'ordre, c'est la discipline, l'ordre. On ne peut pas avoir des députés vendus chez nous. Deux, il faut la discipline. La discipline, ça veut dire quoi? Comme le coordonnateur vous l'a dit, on n'a pas de candidat gouverneur. Le mot d'ordre sera donné lorsque le président Moïse Katumbi aura fini d'examiner l'ensemble des candidatures pour la candidature que nous allons soutenir. Et trois, la même chose au niveau du bureau. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de contact personnel que chaque député doit prendre. Aujourd'hui, il est question qu'on puisse agir comme un groupe dans l'intérêt du Haut-Katanga et pas que chacun se comporte de sa manière. C'est un peu ça. Et tout le monde a été regardé et nous avons été unanimes à dire que nous restons en concertation entre collègues, parce que mes collègues aussi, députés, de sorte que au moment venu, aux échéances du bureau, aux échéances du Sénat et aux échéances du gouvernement, nous parlions tous le même langage et que les 11 blocs votent dans le même sens. Mais dans notre temps, il y a déjà les listes qui ont été ils ont postulé, les listes sont déjà sorties et la date pour recadrer les choses est déjà dépassée. Donc, ce sont les la date n'est pas encore dépassée parce que vous savez que. Vous savez, non, pour recadrer les choses, c'est, il y a les retraits qui doivent se faire, en tout cas de l'autre côté parce que nous n'avons pas de candidat. Mais pour le reste, nous allons choisir entre les candidats existants. Et quelle pourrait être la conséquence pour celle qui peut présenter le ils seront radiés du processus.